aujourd'hui, on est vendredi. Oui, on est vendredi, il est 17h, je vous reprends hyper tard. Aujourd'hui, j'ai décidé donc de faire la surprise lundi pour mes élèves et de leur préparer du coup la déco Harry Potter de Noël, donc ici tout en haut, là, comme d'habitude. Donc, je vais faire ça tout à l'heure et j'ai une élève qui me regarde discrètement. Je vous montre un petit peu la déco du coup avant ma petite mise en place pour mettre la déco de Noël. Donc ça, c'était notre déco jusque-là. Et je vais changer tout ça pour installer tout ce que j'ai prévu pour mes élèves. Bon, j'ai déplacé quelques petites choses, j'ai commencé à mettre en place, je vais vous montrer de plus près. C'est trop mignon, j'ai trop hâte de voir la réaction de mes élèves. Ce n'est que le début bien sûr, là j'ai juste mis un peu les choses comme ça et il manque tout ce qui est un peu Noël. Je vais rajouter après des petites guirlandes, etc. Tout à l'heure, ou sinon lundi. Mais ça rend trop bien là, l'espèce de magicobus, même si les papas en violet. Le Hogwarts Express est trop beau. Bon, comme je sais plus si je vous l'ai dit, mais les cases sont vraiment rikiki quoi. Je sais pas si vous verrez, mais on peut pas mettre grand chose, donc je vais leur mettre des énigmes à l'intérieur. Parce que là, comme ça, on peut à peine mettre un chocolat. Enfin, on peut pas mettre grand chose. Mais Lego Harry Potter ne rentre pas dedans. Et là, je laisse mes élèves décorer lundi ce petit sapin. Vous pardonnerez ma tête de fatiguée, ma voix de fatiguée. Hein. Vous comprendrez qu'on est vendredi soir, il est 18h30 quasi. Je vous montre un petit peu les œuvres d'art de mes élèves qui sont à fond sur son style de dessin en ce moment, dès qu'ils ont un petit peu de temps libre dans la classe. Ben, voilà ce qu'ils font. Et donc j'ai tout fini là. Bon, bien sûr, je n'ai pas mis tout ce qui était guirlande, boule de neige et tout. Ça, j'ai envie de le faire avec eux, donc lundi ou mardi, pendant 5 minutes, un petit peu dans le temps de classe. Ils iront découvrir un petit peu la classe à leur goût. Comme ça, ça sera fait avec eux. Mais on va dire que j'ai fait toute la base Harry Potter avec toutes mes idées. J'ai plus qu'à tout remplir. Je suis trop contente. Je vous montre ça de plus près. Alors, ça commence donc par notre sapin qui sera bientôt décoré. Le calendrier de l'Avent Primark. Ça, c'est un élève qui l'a fait à la maison avec sa maman. Donc, trop mignon. Une sorte de vive d'or fait maison. Ça, c'est à moi, faut que je le range. Ça, je vous l'ai dit, je vous l'ai montré dans une vidéo action. J'ai trouvé qu'il ressemblait un petit peu à Grid. J'aurais bien aimé avoir le pop à Grid pour compléter, mais bon. Je n'ai pas. En haut, j'ai mis des petites guirlandes comme ça de chez Action. Ho, ho, ho. Les petites enveloppes faites maison par mes élèves. Le fameux style Magicobus de chez Action, une petite Edwige qu'une élève a ramené, le petit livre qu'on est en train de faire maison, un peu style grimoire, la fameuse boîte avec toutes les baguettes que je pose ici, j'aime bien les regarder de temps en temps, le fameux miroir de Rized, des petits accessoires, ça j'ai trouvé trop mignon, je l'ai acheté en Belgique, je trouve trop classe, il est trop beau, et notre fameux Poudlard Express. Il est juste magnifique quand même, je trouve. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus grand, genre avec un deuxième wagon, mais bon. Comme je vous ai montré tout à l'heure, les cases sont pas folles, mais le petit cadeau de Ludivine de la chaîne Divine DPZ, encore un petit vif d'or maison. Les petites pop derrière, le chapeau magique qui est le gardien un peu de nos gourmandises. Voilà, j'ai acheté des petites gourmandises pour eux. Et puis voilà, notre déco s'arrête là. Ici, il n'y a plus rien, je vais voir ce que je vais rajouter, mais en tout cas, je trouve que ça rend plutôt bien l'ensemble. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, comment vous trouvez ça. Bien sûr, ça manque un petit peu de déco, style guirlande, boule et tout, mais ça, on va complémenter. Et puis, je vous montrerai de toute façon lundi ou mardi le bilan final de notre classe, parce que là, vous voyez, il n'y a absolument rien d'autre dans la classe. Du coup, je vous retrouve lundi ou mardi pour clôturer ce petit vlog. Bon, je vous retrouve lundi et honnêtement, ça va beaucoup mieux. Je suis trop bien reposée pendant tout le week-end et du coup, je suis en forme pour ce lundi, donc c'est trop cool. J'ai préparé, donc comme je vous l'ai dit, je crois, des petites devinettes pour mes élèves que je vais caser dans le Poudlard Express là, puisqu'il y a que ça qui rentre, c'est vraiment trop petit. Et à chaque fois qu'ils auront répondu à la petite devinette en lien avec Harry Potter, ils auront donc une petite surprise, soit du calendrier de l'Avent 12 jours qui est là-bas, et soit les petits Legos que j'avais prévus pour le coup, plus une petite gourmandise. Donc voilà, j'ai hâte de voir leur réaction ce matin, comme je vous le disais. Et j'ai ramené une petite guirlande lumineuse que je vais mettre un peu partout. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure. Ou je vous montrerai peut-être ce soir plutôt, quand la déco du sapin sera faite et que le tout sera décoré un petit peu aux couleurs de Noël. Donc voilà. Et voilà, notre premier sapin. Alors ça, c'est vraiment les élèves qui l'ont fait. J'ai ramené un deuxième sapin parce que du coup le premier, le petit, ça leur suffisait pas. Donc j'ai ramené un deuxième blanc et puis on a mis quelques petites décos. Il manque juste la petite étoile en haut que je n'ai pas, donc je la ramènerai demain.
Un élève a ramené cette merveille. Regardez-moi ce sublime livre, il est trop trop beau. Il a l'air super intéressant en plus, je trouve. Donc ouais, pas mal du tout, pas mal du tout. Et puis du coup, comme je vous disais, aujourd'hui on a commencé le calendrier, ils étaient trop contents mes élèves. Et on a décoré du coup le deuxième petit sapin. Avec la petite étoile, celui-ci, on l'a fait aux couleurs un peu de griffon d'or, jaune et rouge. Alors pour info, dans le calendrier de l'Avent, tout est tombé en bas là, ça c'est le calendrier de l'Avent Primark. Et voilà, donc c'est ce style de petites choses là. Elles sont vraiment qualitatives je trouve, pour 12 euros c'est pas mal, mais tout est tombé en bas quoi, donc c'est dommage. Du coup tout est mélangé, je suis sûre que là quand on va ouvrir les autres cases, ben, il n'y aura plus rien quoi. C'est un peu nul, ils ont mal géré leur truc à Primark là. Bon voilà pour ce vlog décoration dans ma classe, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à liker cette vidéo, puis me laisser des petits commentaires là, j'ai hâte de vous lire comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, on va décorer encore un petit peu plus au fur et à mesure des jours, les fenêtres, le reste de la classe hein, bien sûr avec les petites décos, des petites choses, mais c'est vrai que j'ai pas un matériel de dingue, donc l'année prochaine j'investirai un petit peu dans d'autres petites décos je pense, aux couleurs de griffon d'or, de serpentard etc, donc voilà pour l'année prochaine hein. Je vais me faire une petite liste. Je vous fais des gros bisous. Salut !